Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve par la suite de Tomb Raider. Et oui, un épisode j'ai fait tomber ce conteneur fastidieux. Et ben qui éclaire le bas et qui nous donne une lumière assez spéciale. Et je me suis un petit peu, vas-y, fais voir un petit peu tout ça. On a tout refait, allez on a tout refait. Le bateau, c'était la dernière épisode. Le bateau, là, il a complètement, il était coupé en deux hein. C'est comme le Titanic, lui il était coupé en trois. Donc c'est pas mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? On arrive dans des endroits spéciaux. Très spécial. Un vieux journal. Un vieux journal, attention. Qu'est-ce qu'ils disent, vieux journal, Lara? Rapport d'expédition. Pause. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes, mais les fouilles ont alerté les Oni. Ils sont en colère et nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Donc les amis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des géants. Les Oni, normalement, c'est les géants samouraï. C'est... comment dire ça? On les a croisés au début des toutes premières épisodes. Et là, on est dans la merde. Ce Léoni, c'est pas n'importe quoi. J'ai entendu parler dans les livres. Ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. J'ai pas beaucoup d'éclairage, les amis. Moi, je vois pas beaucoup. Alors, ici, il y a une porte. Ça, c'est déjà ça. J'essaie de comprendre les amis, j'ai une pièce. Mais elle a rien en particulier. Faut que je prenne ça comme... ouais, je prends ça. What? On revient ici? Attendez les amis, mais on revient là. On fait demi-tour là. Oui, 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 on a fait demi-tour. What le bug? Je sais pas si vous avez vu. Oh yes, yes. Attendez, attendez, on va comprendre un petit truc ici. Normalement, je peux casser ça. Bon, on va essayer de monter là. Allez, vas-y, hop. Oh yes, d'accord. Bon, j'ai découvert une pièce, pourquoi pas. C'est vrai que c'était pas beaucoup éclairé. Oh, regardez ça. J'ai bien fait de venir. Une petite pièce rare. Tempo Tsuro. Difficile de lire la date. Mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19e siècle. D'accord. Bon. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. On dirait une pièce de monnaie. Bon, bah si c'est une pièce de monnaie du Japon. Pourquoi pas? Que je dois faire les amis, parce que là je suis un petit peu perdu. Je dois faire demi-tour parce que là on a perdu notre copain. Du coup on va aller prévenir nos copains qui sont au bateau. Ils sont en train de refaire notre bateau. Ah ici, ici là, voilà le canon, le fameux canon. Donc voilà au canon. Ah bah ça c'est bien, c'est parce que maintenant on l'a. Ah mais à chaque fois que je me trompe de touche, ça va pas le faire. C'est génial ce truc. Il y a des trous partout. Quoi. Bonjour, bonjour, bonjour. Et puis en plus c'est des trucs qu'on n'avait pas récupérés sur la route là, on n'a jamais fait. Les Portugais frappaient ces pièces au 16e siècle pour leur colonie de Malacca, en état actuel de la Malaisie. Elle doit provenir d'une des épaves de galion échouée sur l'île. D'accord, bon. On va récupérer encore quelque chose apparemment. Ici. Croyons que c'est des mecs. Ce bunker nous a pas encore tout révélé en gros. Mais c'est dingue ça. Tac.
ça aussi. Et hop. Et on a rien récupéré, ça sert à rien d'y aller. Par contre, il y a ça ici. Les amis, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce qu'on fait un petit détour ou pas? Parce que là, c'est par là qu'on doit aller, c'est de là qu'on vient, bah oui. Je peux pas râler sur le bateau, ça servira à rien du tout. Repartons sur notre pas en fait. C'est bien Lara. C'est bien. Elle a tout sur elle. Fusil de chasse. Enfin fusil à pompe. Arc, pistolet, mitraillette, talkie-walkie. Corde. Grappin. Oh ouais, elle a tout. Mais non, mais pourquoi je tape? J'appuie sur Y en fait les amis. Qu'on démonte des choses. J'ai du mal à les amener. Allez, on se calme. On prend un petit peu de nos... Allez, on va fouiller un petit peu ici. Bon, vous avez que ça sur eux. Bon, ça se prend quand même. Non, j'ai rien, j'ai pas de compétences, j'ai rien, qu'est-ce que je fais moi là? Attendez, alors j'ai vu une corde, enfin pas une mouette mais une corde, non? Pas une corde ici? Je pensais avoir vu une corde moi. Ouais, c'est ce côté là, maintenant je peux me défendre comme je veux, j'y arrive un peu plus. Waouh! Il faut aller où là? Oh les amis, c'était génial. Pour tout redescendre comment qu'on fait. Bon. J'ai entendu des pas. J'ai entendu des pas. Je sais pas, j'ai dû rêver. J'ai dû rêver les amis, j'ai entendu des pas. Ah oui, là il est mort. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex, il était encore à bord. Il s'est sacrifié. Sacrifice de Alex, ses amis. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient en toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, pas mourir en bord de plage, c'est sûr. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Ouais, l'autre faut que les amis. Regardez-le. Nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Ça n'a pas de sens. Pas du tout. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Encore quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Oh là là. Je ne pars pas sans toi. Cette femme, la dissidence, la plus totale. Méchant.
la méchante et ça. Je vais baisser un petit peu ma caméra, je suis désolé. En fait, je vois depuis tout à l'heure que vous voyez mon visage, mais en contrebas. Et c'est pas où je dois aller, la rose. C'est bien tout ça. D'accord, je dois aller là-haut. Bon, on va aller derrière les montagnes, les amis. On va aller se balader. On va utiliser notre nouveau grappin spécial. Oh, mais j'en ai une bonne, moi, avec mon grappin, mon piolet. Là. D'accord, il faudrait... Baril, heureusement que j'étais pas dedans. D'accord, bon, ça nous permet quand même de remonter. Oh, ça fait haut tout ça. Allez. Yes, c'était beau ça. Mais ça va pas être tout seul tout ça. Bah non, je peux pas. Ah si, j'allais dire. Alors j'espère que pour les nouveaux épisodes de Long Dark, ça vous a plu les amis. Un stade de survie. D'accord. Je vois des choses. Ça nous donne quand même pas mal de choses utiles. Yes. 3 pièces d'arc. Oh, je peux le fabriquer, ça y est. Je peux. Je peux le faire. Donc, ici, on va tout simplement... J'ai un petit lag, une petite latence. Bon, bah, je me trompe de couche, hein. C'est la journée. Allez, plus haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas ici? Non, ça va. Ça me paraît trop calme. Avec Lara Croft, c'est jamais calme, ça. C'est pas possible. What? Je trouve un truc ici, là. Un stade sur lui, s'il te plaît. Cette île dépasse toutes mes espérances. Bien sûr, ces gens sont des fanatiques. Quant à l'équipage de l'endurance, c'est tragique. Mais j'avoue que cela renforce le côté dramatique. Le royaume mythique de Yamatai. Les épaves de ces sectes. Il y a de la matière pour au moins 2 documentaires, peut-être même une série. Seigneur, cet endroit fascine des téléspectateurs du monde entier. Et je serai au cœur de tout cela. Quel soulagement. J'avais tout misé sur ce voyage, mais je dois rester prudent. La situation peut dégénérer à tout moment. Je dois réussir à convaincre ce Mathias qu'il a tout à gagner s'il coopère. Je ne pense pas qu'il croit à toute cette histoire qu'il raconte à ses hommes. Ce ne sont que des pauvres âmes perdues. Je l'aiderai à ramener à la civilisation. Les annonceurs vont se battre pour avoir l'exclusivité. Cette histoire est énorme. D'accord, bah c'est notre gogol, les amis, vous savez. Celui qui pas bien, qui est avec nous, là. Il y a quelque chose ici, les amis, je peux monter. C'est ça. Je sais pas par où. J'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Peut-être ici. C'est ça. Voilà. Et là. D'accord. Bon. Fallait le voir. Celui qui a jamais joué à Tomb Raider, il l'aurait jamais vu. Mais tout se raccorde. Tout. C'est énorme. Un vrai puzzle ce jeu. Vous avez juste à chercher l'endroit où vous devez sauter, vous pourrez. Oh, ça repartit. What? Juste ça.
c'est le Just. Trop Just. Elle ramène sa fesse. On fait ça, on meurt au moins 10 000 fois, sûr. Bah, dis donc, cette montagne, on est en train de faire un assez de détour. Qu'est-ce qui se passe ici? La Béonie dans ce tombeau. Du calme, on a des sorties pas trop. Personne n'entre, personne ne sort. Les amis, ça fait la tête. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Ah oui, fallait pas. Fallait pas m'enquiquiner, mec. Non, mais dit-on. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi j'ai tout compris de ce jeu, les gars. Vous non? J'ai tout compris. Oh, le style qu'elle a quand elle jette sa flèche. C'est un piolet. What? Ah, d'accord. Moins en remis. Comment je fais? Non. J'ai loupé ma cible. J'ai loupé ma cible. Canon, les amis. Ah, je sais, Lara Croft, c'est un canon, mais non, là, le canon là, elle est pas Lara Croft, elle est au milieu. Y'a quelqu'un? Il y a un feu de camp. Le sol, c'est pas bon. On a une jolie vue. Ça pue, les amis. On a un tombeau, donc c'est ce tombeau qu'on doit aller voir. D'accord. Ah, on doit tomber dans l'eau. Oh. Je me suis rattrapé à toi. Le parcours juste pour un tombeau. D'accord, on a fait le tour. Bon, il a baisé. Juste pour ça, d'accord, on lui dira. Voilà, trois pièces. On va avoir un feu de camp quelque part ici. Je suppose, non? Même pas. Allez, file-toi. Ah, d'accord. Ça pue.
Bon, apparemment on me cherche les amis. Bon. On va refaire son arc. Ah, je peux pas, impossible de poser la corde. Les feux de corde ne peuvent pas être utilisés tant que les ennemis se trouvent à proximité. D'accord, bah bon. On peut pas la rendre. On va s'en occuper. Ta tête, elle crame, toi. Après la découverte du tombeau, les Oni sont apparus. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis, les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres. Ils nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Bon. On va affronter, je crois, les Oni. C'est géant. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. D'accord. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Fille à pompe de combat. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Tu m'étonnes. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. D'accord. L'équilibrage du poids, eh ben dis donc, l'équilibrage du poids permet d'effectuer des tirs plus précis et d'augmenter les dégâts. Oh. Et le fusil à pompe parle, les amis, il parle aussi le fusil à pompe. Fusil à pompe, capsule incendiaire, eh ben dis donc, j'ai pas assez de sous, faut venir renforcer. Pourquoi pas, et cross gainé. D'accord, poignée rembourrée. Pour le fusil avec une poignée, pourquoi pas. Allez, on continue les amis, il nous reste quand même peut-être 8 minutes ou pas du tout. Ah, je peux y aller ici. Yes. C'est nul ce que je viens de faire, ça n'a rien servi. Peut-être pour aller en face et encore. Ah non, c'est de là où je viens moi. Bon, ça n'avait pas trop d'intérêt. Je vais essayer. Je promets pas, mais je peux sauter en face apparemment. Oui, j'y suis passé. D'accord. Et là, je suis coincé. Bon, c'était juste pour une caisse. Voilà, ça allait aller quand même. Je le sors pas les amis. Trop facile. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Oh le boucan. Oh, non, il est bloqué. La bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre le mont de charge avec plus de force. Si je peux pas l'ouvrir. D'accord, bon. Il faudrait quelque chose à ce mont de charge pour que. C'est là que je dois aller. Bah ouais, ça je l'ai remarqué, mais je peux pas. Ah là, il y a une entrée. Hop. Ah bah je vais ouvrir ici, tant qu'on y est. Ça nous fait une sortie de secours. Allez, dépêche. Ils ont envie de voir de l'action, mes amis. Non, voilà. Je peux
pas, François, elle pourra pas. What? Je suis à l'étage. Ah, faut que je le fasse monter, bien sûr. Bah oui, les amis. Bah oui. Après, on lâche tout, on casse les... Attendez. Attendez, là, normalement, je pourrais... casser une rondelle, non? Je peux pas casser un truc, ah, si, regardez. Encore trois de plus, et mon charge tombera. Oui, les amis, je peux casser, en fait. Au fur et à mesure, d'accord. Là, je voyais clignoter, je pense, ça. Il faut encore monter, il faut le faire monter. En contrebas. Je peux rebondir dessus, les amis. C'est joli. Mais ça sert à rien. C'est pas là qu'on doit aller. Cet épisode. Donc l'ascenseur doit tomber. Là, c'est garder la roue cassée, bah, j'espère. J'ai pas trop envie de la recommencer. Ah, je me suis trompé, les amis. Oh, je me trompe, ça arrive. Faut le faire monter d'abord. J'ai vu ça, je me demande pourquoi. Pour remonter plus haut, c'est ça. Sera dégagé. Ouais, je me mets en dessous là. Oula, ça commence à crépiter. Est-ce que je peux monter plus haut par là? Non, je peux pas. Je peux rien faire d'autre. Et comment je fais maintenant pour moi? Je dois aller où, les amis, moi? Pas où aller. Attendez, là je suis un petit peu perdu. D'accord, donc il me demande de repartir, mais de où? Pour aller en bas. Ah. Je peux pas, les amis, je vais tomber, je vais me casser la figure en contrebas, vous avez vu la hauteur? C'est folie. Bon, je vais essayer. C'est jamais. Non, c'est derrière. Je peux pas y aller en arrière. Non. Ah si. Ah bah c'était ça. Bon. Oh.
que là, on peut pas faire plus bas. On peut pas faire plus bas. Bon les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a plu, cette descente d'ascenseur de malade. Hein, c'est pas courant de casser les ascenseurs, mais là franchement ça m'a plu. J'essaie de descendre, apparemment c'est chaud. Voilà. Allez. Gros bisous à tous et à la prochaine. C'était Zodes, la barre est à mes pieds. Allez, bisous. Hey, oh, y a quelqu'un. Oh, apparemment, attendez, il y a encore un petit peu d'action. Je déteste cet endroit. Un petit peu d'action, reste encore un petit peu. Ah, ouais. Oh, il y avait encore de l'action. Oh, c'était promis. Oh, on m'a promis de l'action, c'était de l'action. Un petit peu d'action pour la fin, les amis. Allez, zou, c'était The Death.